bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette maison bien plus qu'étrange avec notre fameux Harper évidemment, sorti tout droit de Stranger Things pour mener une nouvelle enquête. Et c'est incroyable parce que quand on se rapproche d'un robot, bah il s'y accroche. Voilà, donc je trouve ça plutôt stylé. On avait rempli cette magnifique horloge, évidemment. Et bah là, le but, je pense, ça va être d'aller dans la cave à vin et récupérer une vanne, puis j'ai besoin de fermer la vanne, vous l'aurez compris, là où il y a la chaudière. Je pense que c'est là la suite de notre terrible et formidable aventure. Attends. Quoi? Quoi? Je me suis chié dessus, hein. Ah, il y avait quelque chose à faire ici, dès le début. Quoi? C'est incroyable. Merde alors, la clé de Baptiste, elle ouvre donc tout. Plantation perdue de Louisiane, Thierry Briclot, 1917. Derceto était une petite plantation située sur la rive est du lac Pontchartrain. Ces terres étaient considérées comme peu attrayantes pour l'industrie et furent vendues pour seulement 30 dollars à Elia Pickford en 1818. Pickford employa des centaines d'ouvriers venus de la Nouvelle-Orléans pour défricher les bois et érigea, face au lac, un petit manoir doté d'une étonnante façade d'inspiration néo-grecque. Derceto a préservé une modeste production de tabac périque et d'indigo qui perdura jusqu'à la guerre civile. Pendant la période d'avant-guerre, Derceto fut la source de nombreuses rumeurs concernant le vaudou et la sorcellerie. Des personnes naviguant sur le lac rapportent... Ok, c'est une histoire de sorcellerie, donc. Ok, ok, ok. En fait, je vois plus le jeu comme un film où on joue nous-mêmes, pour le coup. Et ça, c'est plutôt cool. Ça fait un bon jeu détente, je pense. Oh, je veux... Je veux, hein, je veux m'agater. Qu'est-ce que c'est ? Elle a été bloquée. Ah. Ok, c'est là où il y a l'arbre. Oh ! Tiens, tiens. Déverrouiller plein de portes. Je me suis chié dessus, hein. Ils sont malades ou quoi? Vous avez vu, à chaque fois que je me chie dessus, j'ai eu là. Bon sang. À chaque fois que je me chie dessus, j'ai eu la lumière. Alors? Ah oui, c'est le seul truc qu'on n'a jamais visité. C'est vrai, il est vrai. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. Merde alors, il n'y a rien. Et on peut pas monter, dommage. Très bien. Cave à vin, c'est là-bas. Hein. Et je pense que tout est fait pour nous y mener, non? C'est pas là-bas, MDR. J'ai tenté quelque chose. Ok. C'est quoi ça? Ok, un chat mort. Bizarre. Ça, je suppose qu'il va falloir remplir... pour que le saut monte très bien. Il me manque encore beaucoup de choses. C'est bon, on a la cave à vin, je pense. Hop. Petit raccourci des familles, ça tu connais. Hein. Tu connais, on kiffe. Ok.
C'est bon. Hey. Très très bien. Faudra allumer l'eau, je suppose, après. Je suppute. Ok. Merde alors. Ok, c'est ressorti là. Ah voilà. Oh, je me suis chié dessus. J'ai envie de tirer, hein. Ok. La dernière partie. Très intéressant. Je suppose qu'on peut aller la mettre, si je puis me permettre. Non mais les gars, ça me fume l'énigme que j'ai réussi par pur hasard, mais ça me détruit toujours, hein, dans l'épisode 2. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. C'est très rare quand j'ai de la chance comme ça, hein, dès le début, sans me prendre la tête ni rien. Salut monsieur ours. Ok. À nous de jouer. On va peut-être save, on sait jamais, sur un malentendu, tout peut partir très très vite en couille. Ok, ça save. Allez, c'est y part. Il me semble avoir déjà vu ça quelque part. Ouais, mon petit père. N'en dis pas trop. Ah, c'est pas là. Je crois que c'était dans les notes, hein, toujours, hein. C'était dans les notes. Non. C'était là. Ok, le 4. Deux à droite, deux en bas. Oh, le salaud. Merde alors. Ah, je suppose qu'il faut quand même que ça coïncide là, non? En vrai. Voilà. Toujours pas? Bizarre. Je me suis chié dessus. Et qu'ils arrêtent des bruits à chaque fois. Je crois que l'horloge vient de se casser. Ou alors elle s'est peut-être juste arrêtée à un endroit très précis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok. 6, 3, 4. Petit. Petit 3. Moyen 4. Grand 6. Petit 3. Moyen 4. Grand 6. Petit 3, grand... Attends. Grand 6. Grand 6. Moyen 4. Petit 3. Je pense que je suis beaucoup trop chaud, les gars. Ok. Il y a une image dans le verre noir. Il me montre quelque chose. C'est le couloir devant la chambre de Jérémy. Oui, je sais, hein, pas besoin de me mettre la caméra là-bas. Hein. Ok, ok.
On va en prendre plein la gueule. Je suis entré dans un autre souvenir de Jérémy. Et sois pas content, frère, hein. Je te jure, sois pas content, hein. On n'est pas heureux ici, hein. Cherchez Jérémy. Oh. Quelle idée d'aller en enfer, quelle idée d'aller en enfer. Vite rentrer là avant d'aller dans la grange au cas où. Ok, on est dans un des souvenirs. Mai 1923. Lundi. Rien à signaler. Tout est prêt pour la livraison. Maintenance. La pompe à huile doit être révisée. Toute manipulation entraîne d'importants déversements si toutes les précautions utiles ne sont pas prises. Mardi. Expédition retardée, mais livraison effectuée. Maintenance. La passerelle de service est sur le point de s'effondrer. Mercredi. Les prospecteurs ont accepté à contre-cœur de montrer le tumulus à Monsieur Hartwood, un peintre qui a eu connaissance de nos découvertes dans les journaux. Il a l'intention de revenir demain et souhaite trouver un moyen de pénétrer à l'intérieur. Jeudi. Les efforts de Monsieur Hartwood ont pris du retard. Les ouvriers semblent inquiets de sa présence. Hartwood a promis de ne pas revenir sur le chantier. Au lieu de ça, il accepte l'offre formulée par Monsieur l'officier, capitaine du navire, qui a l'intention de le conduire jusqu'au chantier demain matin. Espérons que cette affaire est close et que le travail peut désormais reprendre. Maintenance. La passerelle reliant le puits de pétrole au bayou s'est effondrée. Je soupçonne qu'il s'agit d'un sabotage. C'est le diable qui nous guide désormais. Oui, il a eu la même réaction que moi, c'est incroyable. Je peux pas prendre une clé à molette là pour tabasser du... Ok, l'aventure elle doit être tellement différente avec Emily. Il y a moyen qu'on voyage jamais, hein. Et qu'on reste dans la maison, hein. Ça peut être très très fun à faire, hein. C'est vous qui déciderez à la fin, mais... J'ai besoin de la clé. Ah merde alors. Je suppose que la clé est dans la grange. Ok, ça c'est le puits. Pétrole. Un raccourci. La clé de la jetée. Je me suis chié dessus. Grâce à ce bug caméra, je me suis chié dessus. Il manque quelque chose. Ok. Ok, je me dépêche parce que je suis pas serein. Fouh.
y a deux bêtes là-dedans. Trois bêtes. Je t'ai vu, toi aussi. Il y a une là. Quatre bêtes. Dans les Mary Cage. Oh, c'est bon. Une question. Je me posais une autre question. Je le savais. Ok, si on fait marche arrière, mort. J'ai des tuyaux, les gars. J'ai plus d'un tuyau dans mon sac. Attends, mais c'est un boss ou quoi, là, qu'on va affronter ? Je la sens mal. Oh, heureusement qu'il se la pétait un peu trop. Et que par conséquent, il voulait trop ouvrir sa gueule. Ça, c'est incroyable, ça, je crois. Oh, une pagaie. Putain, je peux me battre avec la terre entière. Ok. Que dalle. Je cherche des munitions de pistolet. Parce que j'adore le pistolet. Oh. Ouais, les gars, donnez un peu, non? Je sais pas. Ils veulent plus donner, hein. C'est des rats, hein. On est là pour rien, là. Merde alors. Combien, les mecs? Ça a pas vraiment l'air très solide. J'ai juste besoin de quelque chose pour le casser.
Oh mais l'ambiance elle est putain, avec les musiques et tout les gars, c'est terrible hein. On va save. L'ambiance elle est bizarre là hein. Ça me plaît moyen ça. Dans ta mère. Quelques balles de pistolet. Pour l'instant, franchement, je suis quand même plutôt monstrueux. Putain, ça, je comprends pas comment on peut le garder en poche. Non, on ne peut pas en fait. Voilà, je te déclenche la gueule, moi. Rien à péter, salope. Excusez-moi, mais... Waouh. Ok. Par contre, l'ambiance est très lourde hein, avec les basses en fond et tout. Hein. Je trouve. Attends, y'a rien d'autre là? Je suis venu là pour que pour ça, moi. Ok. J'ai très très vite compris le délire des esquives. De quoi? Ça veut dire quoi? Ok.
comprends vraiment pas pourquoi on peut pas garder ça, ça me saoule. Je me suis chié dessus. Ça par contre c'est très très nul hein, le système de, d'objets là. Je comprends pas, on peut pas la garder équipée, on peut rien en faire en fait. Bizarre un peu non? Je sais pas ce que vous en pensez. Est si fort dans mes oreilles, vous avez pas idée à quel point j'en prends littéralement plein la gueule. Il doit bien y avoir un moyen de passer de l'autre côté. Ah, yep, non? Cette histoire. Oh, d'accord. Et maintenant? Ok. Un tissu solide. Ah. Allez, Carby. Entre une chute mortelle et être dévoré par les flammes, tu préfères quoi? Ok, on se parti. Let's go! Heureusement qu'il y avait cette corde, hein! J'ai que 16 balles. C'est le monticule horrible dont Jérémy parlait dans son carnet. Putain, on dirait Alan Wake.
Oh. Ne vous approchez pas. Je suis armé. Éloignez ça de mon visage. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Une gouvernante? Je suis un détective qui essaie de trouver un lieu appelé Taroueya. Vous en avez appris Jérémy? Pourquoi? Je travaille pour sa nièce. Elle veut s'assurer qu'il va bien. Il est peut-être indemne, mais il est loin d'aller bien. Il est un fléau pour Derceto. Et c'est reparti. Silence! Le petit fusil à canoncier, je dirais pas non. Couteau à peinture. Pour être introduit dans la fente d'une porte. Ok, on a trouvé. Réflexion sur le pouvoir du verbe dans certains textes par Juan Luis Rodríguez. Agir. Ah, ça on dirait la feinte qu'il y a dans l'horloge. Le moindre mouvement de notre main est la preuve que notre âme est en mouvement. Néanmoins, notre libre arbitre est si facilement submergé par la monotonie de nos existences quotidiennes. Nos actions deviennent routinières. Clé du salon. Ouais, non, faut aller se faire foutre au bout d'un moment. Ouh. Je le veux. Dommage. Dommage, dommage. Bon, les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure avec l'épisode 4, évidemment. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. À bientôt tout le monde, bye bye.